fournissait des palmistes. Mon père avait l'argent, mon père avait ceci. J'ai le A1 de ton père, mais je respecte sa mémoire. N'importe quoi. Quand tu as fini, hein, tu sais, la pile, il y a les autres qu'on charge, ils prennent la charge. Et d'autres qu'on charge, ils ne reprennent pas la charge. Toi là, la tienne là ne tient plus la charge. Calme-toi. Calme-toi, fais ce que tu sais faire, la cuisine. Peut-être c'est par là que tu peux encore prétendre avoir quelque chose pour payer le transport aller au Cameroun. Je t'avais demandé, les filles ici, ton enfant a 4 ans, bientôt 5 ans, n'est jamais allé au Cameroun. Pourtant, il a sa grande soeur et ses nièces et ses neveux là-bas, que ta fille pond. Tu viens ouvrir la bouche sur moi. Tu es qui? Tu es qui? Non, tu peux me parler? Tu m'as soutenu en quoi? Tu m'as soutenu en quoi? Tu as voulu déstabiliser mes enfants, mais le bon Dieu est là. Regarde. Mais tu ne réfléchis pas. Un nourrisson, ton bébé, un, tu oses faire la vidéo. Mon fils va me construire les immeubles. Mon fils va me. Hein? Ici, en France, c'est les parents qui donnent à leurs enfants. C'est ce qu'on apprend ici. C'est les parents qui donnent aux enfants. On n'attend pas derrière les enfants. J'étais en couple. Nous tous, nous sommes en couple, mais chacun chez soi. Chacun chez soi. Tu es la dernière des Camerounaises en France. La dernière des Africaines. Tu parles. Tu peux parler. Mais les gens même qui te croient, c'est-à-dire quand tu parles, on peut croire que c'est vrai tout ce que tu dis, mais coco, mais tu es malheureuse, mais tu es sadique. Tu es mytho, tu es malade mentale. Tu es malade mentale. Comment une personne sensée, une personne réfléchie, hein, peut inventer des histoires comme ça? C'est d'aller cacher, elle va mettre la calée, et elle a tué son mari, elle a coupé les pieds, ils ont posé sur. Merde, tu connais ce monsieur? J'ai épousé un bel homme, jeune. Toi qui traînes derrière les vieux plans là, ton coulant de aux anges que Eric t'avait mis dehors. Eric t'a mis dehors, tu as cassé la baie vitrée, tu l'as menacé avec le couteau, tu as encore cette plainte là-bas, à Montluçon. Eric t'a porté plainte. Tu as une série de plaintes qui te suivent partout. Et tu oses l'ouvrir. Mais Dieu sait que c'est un sadique. Il t'a pris à aller mettre chez les dipons. Ou alors c'est toi-même. Comme tu sais souvent t'accrocher. Tu as dit que mon oncle, ton oncle était mort. Tu ne connais même pas le nom de ton oncle. Tu dis que ton oncle. Je t'ai présenté ceux de Clément Ferrand. Tu es parti les embrasser, vous avez fait l'association des sorciers. Celle de. Je ne veux même pas citer. La fille de Mango, je suis propre, je suis clean. On ne salit pas ce qui est propre. On ne salit pas. Une clocharde ambulante. Une clocharde ambulante. Tes habits sont ici, hein? Si j'étais comme toi, j'allais prendre le sac là, je posais ici. J'étalais ça devant les gens. Tu oses m'appeler un jour, tu me dis que Aline, tu vas voir, tu vas tout perdre. J'ai ton slip et ton jupon, je vais enterrer au cimetière. Va, je t'ai dit, va enterrer au cimetière, coco. Je suis une fille de Bilonnet. Une princesse de Bilonnet, Plastisson. Tu connais? Oh. Tu as toqué les portes, mais tu es venu toquer à la mauvaise porte, celle de Nyambara.
dit qu'elle avait payé le transport. C'est l'ami de Ona. Donc elle avait payé le transport d'eux. C'est elle qui les avait fait venir en Suisse. Oui. Une mytho. J'en ai donc. Tu as pris ma nièce, elle était venue ton élève. Tu appelles la femme de Truy à n'importe quelle heure. Son mari que tu insultes vieux. Tu as appelé mon beau-fils. Je coupe. Elle a appelé le mari de Jean-Edon. En Côte d'Ivoire, elle lui dit comment elle est cuisinière internationale, comment elle peut aller travailler là-bas. Le type lui a dit que je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de cuisinière. Dorine, ce n'est pas mon enfant. Dorine est libre de faire ce qu'elle veut. Ouais. Le blanc t'avait dit ça. Tu parlais de Cana. Celui de Cana, moi, depuis le jour qu'il m'avait dit que oui, elle m'a dit que tu es sorcière, que tu es la veuve noire, tu as tué ton mari, que tu vas me tuer. Et elle a même dit que elle va me manager. Je lui ai demandé que, Cana, qui t'appelle pour mal parler de soi-disant ta femme, toi, tu peux parler avec elle jusqu'à conclure, vous arrivez au management, pardon, circule. Je cherche un homme qui va me protéger. Mais pas un homme qui va faire qu'au premier abord, qu'on lui dit, tu as déjà balancé ta femme dehors. C'est comme ça que tu sais comment Cana pleure. Tu sais comment Cana me pleure. Tu dis que Cana a une femme et un enfant. Cana te maudit tous les jours. Il te maudit. Ton travail, c'est de gâter les mariages des gens. Dès que les gens sont en couple, tu peux gâter. Dès que quelqu'un est comme ça, c'est ton travail. C'est ton travail. N'importe quoi. Quand j'avais l'argent, c'est quand tu avais. Mais moi, j'ai. Je pars au Cameroun quand je veux. Je mange ce que je veux chez moi. Je bois ce que je veux chez moi. Je bois, je pisse, je chie. Voilà, et c'est chez moi. Ce n'est pas chez quelqu'un. Raconte tout ce que tu veux. Tu ne peux pas me salir. Voilà. Madou, si tu vas appeler, tu appelles. Hein. Celles qui ont mon numéro, qui connaissent Jean Le Coco, si vous voulez appeler, appelez. N'importe quoi. J'ai ouvert ma porte à une sorcière. Tu peux dire que tu m'en veux pourquoi? Mais marie-toi. Tout est gigolo. Antoine Sambata va envoyer 15 000 euros. Tu avais dit à Antoine Sambata que tu as trouvé le restaurant à Paris. Tu as trouvé un restaurant, un local pour faire le restaurant. Il t'a envoyé 15 000 euros. Où sont les 15 000 euros? Où sont les 15 000 euros, Nyangoun? Attends, Carole. Oh, j'ai pas vu, hein. C'est vite passé. Il y a beaucoup. Je n'arrive pas à voir. Ça passe tellement vite.